Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci François Madérossian qui vous expliquera tout à l'heure, je pense, les choix de différentes pièces qu'il a fait pour la soirée de ce soir. La première pièce était très impressionnante, il vous en dira peut-être un peu plus. Merci d'être là, je suis Michel Dussault, géographe, je dirige l'école urbaine. Et vous savez peut-être, si vous assistez à cette école de l'Anthropocène depuis le début de la semaine, ou si vous aviez assisté aux précédentes éditions de l'école de l'Anthropocène, que nous aimons, lors des soirées, nous imposer des contraintes et imposer aussi des contraintes à nos invités. Pour sortir un peu du ronron des soirées avec présentation d'un texte, débat, présentation par un auteur de son œuvre, nous avons imaginé organiser une soirée autour d'un thème en demandant à des intervenants de respecter un cadre strict d'une prise de parole de moins de 10 minutes sur le thème donné, en interaction avec un musicien, et de beaucoup moins de 10 minutes, puisqu'il s'agissait de 7 minutes, mais bon, voilà, je suis trop libéral, je le sais, donc de moins de 10 minutes en tout cas, en interaction avec un musicien, pour que justement ces paroles à la fois s'écoutent, se mettent en lien, rebondissent les unes sur les autres, rebondissent avec la musique, et qu'au bout du compte, on puisse aborder le thème sans forcément le traiter littéralement comme on a l'habitude de le faire dans les soirées plus classiques de débat d'idées. L'année dernière, nous avions travaillé notamment sur l'urgence. Et cette année, le thème nous est venu de la lecture d'un livre de Laurent de Sutter, qui nous a fait l'amitié d'être là ce soir, donc philosophe, qui va ouvrir la prise de parole, et c'est bien normal, philosophe à l'Université libre de Bruxelles, mais qui intervient aussi comme éditeur, à la fois aux presses universitaires de France et chez Polity en Grande-Bretagne, et qui intervient également sur de très nombreuses autres scènes, et qui a récemment publié un livre, Éloge du danger, qui nous a paru important, dans la mesure où il essaye de penser philosophiquement le danger comme une dimension de l'existence des individus et des sociétés occultée par la volonté de sécurité et d'ordre que nous connaissons bien et qui monte en puissance dans les deux derniers siècles au moins. Et penser le danger philosophiquement, c'est-à-dire non pas avec des involtures, mais en reprenant ce que la pensée philosophique peut apporter à la réflexion sur des thèmes qui apparemment ne sont pas questionnables. Et donc dans son éloge du danger, il vous le dira mieux que moi, il propose une lecture philosophique du danger qui est tout à fait intéressante et qui lui permet aussi d'aboutir à une réflexion sur la différence entre un certain nombre de concepts que nous avons l'habitude de mélanger, ou en tout cas d'utiliser sans trop y songer, comme le risque et le danger, comme le possible et le probable. Et il y a incontestablement une grande portée à ce livre que je vous conseille. Et d'ailleurs, comme tous les livres des auteurs et autrices qui sont présents ce soir, vous pourrez les retrouver à la fin de la soirée, à la librairie qui nous fait le plaisir d'être là. Il ne fallait pas que j'oublie, donc voilà, la chose est faite. Je vais donc moi me contenter de passer le micro et de rappeler la contrainte. Chaque intervenant aura devant lui de toute façon un chronomètre qui lui permettra de savoir à quel point le temps est ingrat avec nous tous et avec nous toutes, mais je ne doute pas que ça se passe bien, et nous allons procéder par séquence de deux ou une prise de parole entrecoupée par des morceaux choisis par François Madérossian en fonction du thème également, et parfois également des accompagnements musicaux, enfin pas des accompagnements, un exercice musical qui viendra se superposer à la prise de parole de certains des intervenants. Quelques-uns auront des images, d'autres pas, et tout cela à la fin de la soirée composera, nous l'espérons, un ensemble qui fait sens, et vous verrez qu'il y a aussi une grande variété dans le profil des personnes qui vont intervenir, et c'est cela aussi qu'on voulait faire. Alors pour commencer, nous allons d'abord accueillir Laurent de Sutter, donc qui, comme je vous l'ai dit, est philosophe, éditeur, et puis ensuite, sans transition, nous accueillerons Géraldine Koziak, qui était déjà là hier pour un séminaire tout à fait passionnant sur les écritures, hein, et qui va nous parler également de son rapport au danger. Géraldine Koziak est artiste, enseignante également dans des écoles d'art, artiste qui a écrit également de nombreux livres, dont un qui va sans doute aussi faire l'essentiel du propos qu'elle va tenir ce soir. Donc d'abord Laurent de Sutter et Géraldine Koziak, et ensuite je reviendrai pour vous présenter le troisième intervenant de la soirée. Laurent, c'est à toi.
Merci. Merci Michel. Merci pour ces gentils mots d'ailleurs. Nous sommes le 7 janvier 1977, dans le grand amphithéâtre du Collège de France. Roland Barthes prend la parole pour ce qui sera la leçon inaugurale de la chaire qu'il y crée à la volonté de Michel Foucault, qui est présent dans la salle, chaire de sémiologie littéraire. Et Roland Barthes commence sa leçon, si vous la connaissez, vous en souviendrez sûrement, par un propos général sur, au fond, les raisons qui l'amènent à parler dans cette enceinte auguste et à parler de langue. Il explique, en réalité, si je vais parler de langue, c'est parce que je vais parler de pouvoir. Et si je parle de pouvoir, c'est en réalité parce que je vais parler d'un certain type d'ordre, c'est-à-dire d'une certaine forme de devoir que la langue nous impose. Parler du pouvoir de la langue, c'est parler, dit-il, pas tant de ce que la langue interdit, de ce qu'elle nous empêche de faire, mais de ce qu'elle nous oblige à faire. Et cette obligation, Roland Barthes lui donne à l'époque un qualificatif extrêmement fort, extrêmement violent. Il dit « la langue, parce qu'elle nous impose un certain nombre de choses, parce qu'elle nous impose des formes de pensée, des formes d'expression et donc des formes d'agir, la langue, toute langue, est fasciste. » Ce que je voudrais faire pendant les 5 minutes 37 secondes qui me restent à vous parler, c'est déplier devant vous l'idée que le fascisme de la langue peut se retracer en effet jusqu'au cœur d'un mot simple, très simple, quotidien, un mot qui semble faire référence à des émotions très primitives, à un fonctionnement élémentaire de notre cerveau, de notre système nerveux, qui est précisément le mot de danger. Le fascisme de la langue, il commence par une racine. Le mot « danger », pour nous, francophones, est un mot qui ramène immédiatement à une racine, qui est une racine indo-européenne, comme toujours, une racine très ancienne, qui est la racine « dem », qui signifie « la prise », et qui engage immédiatement à un ensemble de significations, à un lexique, qui est un lexique, en effet, de la saisine, un lexique de l'aptique, un lexique de, au fond, la connexion entre des corps qui auraient vocation sinon à être disjoints. Et ce qui est intéressant avec cette idée de prise, avec l'idée que le danger, le dongier, nous ramène à cela, c'est qu'elle nous réinscrit ensuite dans une histoire. Depuis la racine indo-européenne d'em jusqu'au mot français danger, un certain nombre d'autres choses se sont produites, dont le mot, notre mot, se trouve le porteur, plus ou moins volontaire, plus ou moins involontaire. Et l'étape, la première étape peut-être, la plus importante dans cette histoire, et là aussi de manière assez banale peut-être, assez classique, est une étape romaine. La première itération ferme du danger dans la langue romaine prend la forme du mot « dominus ». Dominus, le maître de la domus, le maître de la maison. Le maître de la maison, c'est celui qui a la propriété de la maison, celui qui a la prise et l'emprise sur la maison, au point où non seulement les choses qui lui appartiennent, eh bien, il peut en jouir, il peut en faire ce qu'il veut, mais il a également la capacité, la possibilité reconnue par le droit romain de les détruire. Le dominus, c'est le maître de la maison, en tant que la prise qu'il a sur ce qui fait partie de sa maison est une prise qui peut aboutir à leur destruction. Dominus, domination, les mots se mettent à résonner. Une autre étape qui est très importante dans cette généalogie, c'est le moment où ce mot romain de dominus va être traduit, mais traduit dans un vocabulaire, dans un lieu extrêmement différent par toute une série de penseurs, des penseurs espagnols, les penseurs de l'école de Salamanque, qui sont les penseurs qui vont formuler pour nous, encore jusqu'à aujourd'hui, le vocabulaire de ce que l'on a appelé la souveraineté. La souveraineté des pouvoirs, la souveraineté des États, la souveraineté de tout ce qui peut gérer les corps à l'intérieur de l'espace d'une autorité donnée, d'un territoire. Les penseurs de Salamanque écrivent en latin. Et le mot qu'ils vont utiliser pour forger l'idée moderne de souveraineté, l'idée qui est encore la nôtre, l'idée sur laquelle reposent encore les États à l'intérieur desquels nous vivons, la France, État souverain,
est précisément le mot de dominus. Le souverain, c'est celui qui, comme le propriétaire de la maison romain, a la capacité à détruire ce qui vient chercher refuge à l'intérieur de ses murs. En tant que citoyens, nous sommes ce qui peut être détruit. C'est-à-dire que nous sommes ce qui est en danger. Évidemment, c'est quelque chose d'innommable, d'informulable, de scandaleux. Et ce scandale, dans notre histoire à nouveau, va être rédimé, dissimulé, transformé par le recours à une catégorie qui est une catégorie qui va, disons, faire disparaître le danger de la scène politique pour le reléguer à celle simplement de menaces étranges qui pourraient venir des forêts ou bien circuler dans les rues la nuit comme des exceptions, plutôt que comme le principe de ce qu'il est de notre vie en commun. Et ce concept nouveau, qui va être forgé là par les penseurs de l'assurance à Gênes, au moment où se posent les questions de la gestion du commerce à l'intérieur de la Méditerranée, par précisément l'idée de risque, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse, à la destruction, prévoir une solution. Une solution qui prend la forme d'un calcul, d'une calculabilité, une forme quantitative et qui est une forme générale ou une forme collective. Ce calcul, calcul du risque, c'est le calcul du probable. Le probable en tant que ce qu'il forclôt possiblement, la possibilité précise de ce qui sort de tout risque et qui est précisément cette possibilité de la destruction, qui est la possibilité du danger. Nous vivons dans un espace politique du langage qui nous étire entre un danger que l'on ne veut pas voir et que l'on veut faire disparaître, qui est le danger qui est celui de sa propre possibilité, et la gestion quotidienne d'un calcul qui est le calcul du probable qui prend la forme du risque. Du possible au probable, du danger au risque, s'est opérée une translation. De cette translation découlent ensuite tous les systèmes de sécurité qui nous y enferment. Nous sommes le 8 septembre 1977. J'ai 8 ans. Je suis chez mon arrière-grand-père. Comme chaque année, nous avons été dans les champs ramasser quelques légumes. Je suis à table. Je n'ai pas envie de finir ce qu'il y a dans mon assiette. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père me dit « Si tu avais connu la guerre, tu finirais ce que tu as dans ton assiette. » Je n'ai pas de conscience de la guerre, mais d'un coup, je sens que le danger n'est pas très loin. Je suis là à le regarder. Il ne veut pas expliquer, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va être assez difficile par la suite. Plus tard, mon père, chasseur, me montre des animaux morts dans le garage de la maison. Et là, c'est à ce moment-là aussi que je sens qu'il va se passer des choses un peu compliquées par la suite. Quelques années plus tard, pendant mes études, dans les années 90, je lis Georges Perec, je me souviens, et je ne me souviens de rien de ce qui se souvenait, parce que je suis quelqu'un qui vit à la campagne, qui n'a pas été là, dans les années 50, ni en ville, ni ailleurs. Et je me dis, qu'est-ce qui fait le lien avec tous les gens qui m'entourent? Et là, je pense qu'à ce moment-là, j'ai peur. J'ai peur, je commence un livre qui va s'appeler « J'ai peur » et je vais faire une liste de tout ce qui va pouvoir m'arriver par la suite, si je ne fais pas attention. Je suis convaincue que la peur est liée au danger, et si j'ai peur, j'éloignerai le danger.
J'ai pu écrire ce livre à 19 ans et je pense que c'était un temps d'innocence. Le 24 mars 1999, j'ai perdu des gens très proches dans la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc. Je n'aurais jamais pu penser que je vivrais un jour si proche d'une catastrophe, avec toutes les conséquences que ça comporte, et que la peur s'en va quand il y arrive une chose comme ça dans votre vie. Et c'était très, très intéressant de voir que j'ai eu un temps d'innocence, où j'ai pu mettre le danger un peu, et il s'est un peu éloigné de moi. Et quand le moment où la catastrophe est arrivée, ça a été quelque chose comme un raz-de-marée. Et je pense que quand on a vécu des choses extrêmement dures, il n'est plus possible de considérer le danger de la même façon. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que je me suis dit qu'il y avait des mots que je ne pouvais plus écrire. Je n'ai pas pu écrire ni dire tunnel pendant des années. Je n'ai pas pu passer sous un tunnel pendant bien 15 ans. Donc, je vous dis pas comment c'est compliqué, hein, vu les circonstances des routes. Donc, il y a un côté comme ça où il y a un temps de l'innocence et un temps de comme si on était foudroyé. Et je pense que maintenant, à chaque fois que j'entends aussi une catastrophe vraiment imminente qui arrive et que j'entends ça à la radio, ça me renvoie forcément à un moment où je pense le lien que je peux avoir avec les gens qui vivent des situations de cette violence-là. Donc je me disais toujours que le danger était lié à la peur, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce début de livre que j'ai pu faire très jeune. Et je ne sais pas comment vivre avec le danger, mais je sais vivre avec la peur, que je mets aussi un peu de côté parfois, parce qu'il faut continuer. Et j'avais vraiment envie de vous dire qu'à un moment donné, il y avait ce temps-là du danger qu'on fantasme, du danger qui est éloigné. Et quand le danger est très proche, il est très, très imperceptible comme ça, mais il rentre dans le corps. Et ça, c'est assez étonnant parce que quelques années plus tard, je suis partie au Japon, vivre quelques mois au Japon, juste après la catastrophe de Fukushima. Et comme je n'avais pas pu aller sur le lieu où la catastrophe du Mont-Blanc, parce que c'était fermé, je n'ai pas pu aller sur ce lieu-là pendant la catastrophe, je me suis sentie obligée d'aller voir Fukushima un an après pour voir ce qu'il en restait. Qu'est-ce qui reste de quand un danger est arrivé, quand il a perturbé tout ce qui était du paysage, et qu'est-ce qu'on ressent? Comment on éprouve un après-danger? Et c'était assez étonnant. Je me retrouve face à la mer, cette mer qui était très calme et que je sentais très, très, qui pouvait détruire et qui pouvait aussi m'anéantir. Je me suis dit, même un an après, je n'ai pas pu prendre un hôtel vers la mer. J'ai dû monter sur les montagnes pour me protéger malgré ça. Donc je pense qu'il y a un côté très instinctif comme ça. En tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que je pense qu'il y a eu un temps d'innocence pour moi très court et après un temps de la conscience du danger très, très rapide, malheureusement à cause de cette catastrophe. J'ai dépassé de 52 secondes. Est-ce que ça va ? Merci. Merci beaucoup. Nous allons accueillir maintenant Bernard Alaouchiche, qui est médecin, professeur de médecine au centre hospitalier Lyon-Sud et à l'université Claude Bernard de Lyon-Sud. Et il dirige une équipe de recherche, par ailleurs, à l'école vétérinaire et agronomique, VETAGROSUP. Et il exerce en réanimation et il travaille notamment sur ce qu'on appelait jadis le choc septique et qu'on appelle aujourd'hui le sepsis.
Il va donc nous parler de son approche du danger. Merci beaucoup, Michel. Donc, merci de cette introduction. Alors, très récemment est sorti un livre de Nouriel Roubini, justement sur les dangers que peut encourir l'humanité. Alors, Nouriel Roubini cite 10 dangers, l'endettement, la bombe à retardement démographique, la montée des nationalismes, l'effondrement des devises, la fin de la mondialisation. Et moi, je vais vous parler d'autres types de dangers. Donc, les deux intervenants précédents ont parlé de nombreux dangers. Nous, les réanimateurs, on essaie de sortir les patients d'une zone de danger parce qu'ils risquent de mourir. Donc, un danger, pour nous, c'est quelque chose qui peut menacer l'intégrité physique d'une personne avec une gravité qui peut aller jusqu'à la mort parce que en réanimation, il y a à peu près 15 à 20% des gens qui malheureusement décèdent. Quel est le métier que font les réanimateurs ? Les réanimateurs s'occupent de gérer des défaillances d'organes, de comprendre les causes de défaillances d'organes, de pallier ces défaillances d'organes afin de les traiter. Plus on a de défaillances d'organes, neurologiques, circulatoires, respiratoires, hépatiques, hématologiques ou hépatiques, plus ces défaillances sont intenses, plus elles sont nombreuses, plus elles durent, plus on risque de se retrouver dans une situation très difficile et on risque donc de mourir. Alors, la réanimation, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des services qui ont été créés lors de l'épidémie de poliomyélite par un anesthésiste européen. Et ça permet de surveiller les fonctions vitales comme la ventilation, l'oxygénation, la pression artérielle, les fonctions cardiaques et rénales. Donc les réanimateurs, qu'on appelle aussi intensivistes, gèrent les défaillances d'organes, essaient de comprendre leurs causes. Et parallèlement à ça, il faut bien évidemment les pallier. Par exemple, je mets la photo d'un scanner qui montre un scanner normal. Si vous faites une infection respiratoire grave, eh bien, vos poumons vont être altérés. Vous avez besoin d'oxygène, on vous met de l'oxygène sur le nez, et puis quelquefois ça ne suffit pas. Et on est obligé de vous mettre sous assistance respiratoire. Mais donc, à la fois, il faut gérer ces différents organes, donc mettre les gens, par exemple, sous circulation extracorporelle, sous ventilation artificielle, sous épuration extrarénale, et à la fois, donc, bien évidemment, traiter la cause de ces défaillances. Alors, la particularité de notre spécialité par rapport aux autres spécialités médicales, c'est qu'il y a un télescopage entre le diagnostic et la thérapeutique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, quand vous allez voir votre médecin parce que vous avez une angine, vous avez de la fièvre, vous avez maigri, le médecin vous fait un bilan, on attend les résultats, on fait des examens complémentaires, etc. Nous, il faut qu'on décide tout de suite, il faut qu'on comprenne tout de suite quelle est la cause de la défaillance et qu'on mette en place tout de suite une suppléance de cette défaillance. Parce que, par exemple, lorsqu'on s'occupe d'accidents graves de la route, on considère que la première heure est fondamentale. Si vous êtes trompé la première heure, eh bien, le temps perdu ne se rattrape jamais. Donc il faut analyser rapidement la situation et faire des démarches thérapeutiques urgentes. Donc je cite Bergson, qu'il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Alors ce qui rend notre exercice difficile, c'est que quelquefois les conditions sont très compliquées. Lorsque les patients sont pris en charge par le SAMU, qu'il fait très froid, que c'est la nuit, non seulement le patient est en danger, mais vous êtes confronté à une situation très difficile parce que vos conditions d'exercice, s'il fait très froid, s'il y a beaucoup de monde dehors, si c'est au milieu, par exemple, d'une émeute, eh bien, c'est très compliqué. Par rapport aux autres spécialités, également, ce qui se passe aussi, c'est que lorsque les patients arrivent à ce qu'on appelle en salle de déchocage, on reçoit des patients qui sont en situation de gravité extrême, il y a énormément d'intervenants. Vous savez qu'on parle beaucoup de déficit en infirmiers, en médecins, etc. Mais il faut savoir que lorsqu'on s'occupe de patients vraiment en situation de gravité extrême, il y a énormément d'intervenants. Et il faut absolument qu'il y ait un team leader qui décide et qui pilote l'équipe. Donc les conditions d'exercice, elles peuvent être également très difficiles. Je donne l'exemple d'émeute. Quelquefois, les blessés sont pris en charge par le SAMU dans des conditions d'émeute. C'est très compliqué. Et alors, autre chose qui rend la situation compliquée, c'est qu'il faut décider non seulement... il faut réfléchir à la cause de la défaillance, traiter la défaillance,
mais il y a l'aspect éthique. Quand j'ai démarré la réanimation, en 86, on ne réanimait pas les gens de plus de 70 ans en France. Se posent toujours les problèmes éthiques. Est-ce que le patient a des troubles cognitifs? Est-ce que le patient a un cancer dépassé? Est-ce que le patient est au-delà de toute ressource thérapeutique? Il faut décider très vite ce qu'il faut faire pour le patient. En somme, le réanimateur, le métier de réanimateur, c'est soustraire le patient du danger qui le menace, bien comprendre la cause, bien traiter les conséquences. Il faut faire le bon diagnostic, il faut faire le bon traitement. Et se posent également les problèmes éthiques. Vous savez qu'il faut éviter l'obstination déraisonnable. Il y a quelques années, dans les années 70, donc dans les années 70-80, on ne réanimait pas les gens très âgés. Lorsqu'il y a eu la pandémie Covid, on s'est retrouvé confronté à énormément de patients par rapport au nombre de lits. Et de nouveau, on était confronté au problème de la sélection des patients. Et donc ça, c'est une très lourde charge morale de savoir qui doit vivre et qui doit mourir. Et donc, c'était vraiment très compliqué pour nous. Vous avez vu qu'actuellement aussi, il y a une épidémie de VRS, de grippe, qui a saturé également les services de réanimation pédiatrique, par exemple. Et donc, on est sans arrêt confronté au problème aussi du manque de lits, du manque de personnel. Et tout ça nous met également en danger et, par conséquent, peut mettre en danger la vie des patients. Ceci dit, on a une spécialité quand même joyeuse. Je vous remercie de votre attention. Thank you.
Merci beaucoup. Ne serait-ce point Samson et Dalila, cher François Mardi-Rossian, et dans leur dialogue amoureux, pressentaient-ils le danger qui allait venir? Ah, là est toute l'histoire. Mais nous n'en dirons pas la fin. Vous la connaissez d'ailleurs. J'ai le grand plaisir d'accueillir Brigitte Giraud, maintenant, qui est romancière, autrice, bien connue aussi à Lyon de longue date pour ses activités de programmation au service d'un très beau festival de littérature, les Rencontres du Livre à Bron, et qui a écrit de nombreux livres, et notamment son dernier récit, Vivre vite, qui a été couronné par le prix Goncourt 2022, et qui nous fait le plaisir et l'amitié de venir lire quelques extraits de ce livre. Merci, Brigitte. Merci. Bonsoir, je vais vous lire un extrait de Vivre vite. C'est le chapitre 14. C'est un roman autobiographique qui met en scène la mort de mon compagnon dans un accident de moto dans la ville de Lyon le 22 juin 1999 et qui fait étrangement écho à ce qui vient d'être dit du service de réanimation. Je n'avais pas imaginé que j'allais parler dans ce contexte. Chapitre 14. Pourquoi Tadao Baba, l'ingénieur japonais qui a révolutionné l'histoire de la firme Honda, entre-t-il par effraction dans mon existence? Comment aurais-je pu imaginer que le Japon, pays où je n'ai jamais mis les pieds, éloigné de mon centre névralgique de presque 10 000 km, allait décider de la suite de mon existence, ou plutôt allait la broyer, par l'intermédiaire d'un constructeur parmi les plus prestigieux au monde, et de l'ingénieur à l'origine de la création de la fameuse Honda 900 CBA Fireblade, lame de feu, sur laquelle Claude roulait le jour de l'accident. C'est un pays que nombre de mes amis français vénèrent. Certains d'entre eux vivent même à la japonaise, préférant les tables au ras du sol, les baguettes aux fourchettes, épousant parfois les préceptes du shintoïsme, ainsi que des femmes japonaises qui, il faut le reconnaître, sont d'un raffinement troublant. C'est un pays dont j'ai lu une partie de la littérature, dont je connais l'histoire récente et dont je comprends que Philippe Forest, dans Sarinagara, ait envisagé un puissant écho entre le deuil intime autour duquel il écrit et le deuil collectif d'une nation en partie massacrée par la bombe atomique. C'est un pays qui force le respect, dont le code d'honneur est une façon donnée à la terre entière, ainsi qu'une porte ouverte sur l'effroi et dont l'avance technologique nous a sidérés. Les musiciens et les motards le savent, qui ont acheté Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Sony, Casio, Hitachi, vénérant les marques qui leur ont donné le son, la vitesse, la précision, le grand frisson. J'aurais aimé rencontrer Tadao Baba, l'ingénieur nippon à l'origine de la création de cette impressionnante moto. J'ai cherché à voir son visage par tous les moyens. J'ai découvert un portrait qu'il affiche, souriant, plein de charme, une cigarette à la main et les dents un peu jaunies, dans sa soixantaine éclatante. J'ai même trouvé des t-shirts à son effigie, belle gueule, mèche poivre et sel, et inscription en capitale, Baba, sur le site de vente Pixels Shopping. En parcourant le site, je trouve aussi cette même photo de Tadao Baba, Honda Fireblade Designer, imprimée sur une gamme entière de produits dérivés, coffee mugs, bath towel, tote bag, shower curtains, yoga mats, iPhone cases ou greeting cards. J'en déduis que Baba est une star. Je reste sidérée, un rideau de douche à son effigie, tout de même. Honda lui avait demandé de créer la 900 CBA Fireblade pour la compétition. L'idée avait été d'imaginer un 4 cylindres en ligne pour concourir aux 8 heures de Suzuka, la célèbre course près de Kyoto. On dit que Tadao Baba n'était pas un ingénieur comme les autres.
entré chez Honda à 18 ans en 1962. Il n'a pas suivi un parcours classique. Il a appris son métier sur le tas, ce qui est sans doute la meilleure des écoles. On dit qu'il essayait lui-même ses modèles, qu'il était un homme impétueux et qu'il chutait parfois en essai sur ses CBR, qui devait l'envoyer au sol comme un cheval son chevaucheur au cours d'un rodéo. Il s'était vraiment construit une légende. Sauf que Tadao effectuait ses essais sur des pistes protégées, réservées à cet usage, et non pas, comme ce fut le cas pour Claude, le mardi 22 juin 1999, sur un boulevard du centre-ville, très emprunté. Tadao Baba était aussi un poète, d'un genre inspiré et subtil, aérien et elliptique, à la japonaise. Il avait fait graver à l'intérieur gauche du carénage du modèle 900 CBR « For the people who want to know the meaning of light white », qu'on peut traduire ainsi « Pour ceux qui veulent savoir ce que légèreté veut dire ». Tous les sens du mot « légèreté ». Comme on fait graver des initiales à l'intérieur d'une bague de mariage, en toute discrétion. Que cette moto n'ait pas été commercialisée au Japon parce que jugée trop dangereuse ne passe pas. C'est le détail de trop sur lequel je bute. Certains amis m'invitaient à faire un procès, mais l'issue n'aurait rien changé et je n'envisageais pas de passer le reste de ma vie à essayer de démontrer qu'un homme est mort à cause d'une moto surpuissante. J'aurais eu le même mal que ceux qui souffrent d'avoir inhalé de l'amiante, ingéré du glyphosate ou d'avoir été irradié pendant leur service militaire dans le Sahara algérien. Il m'aurait fallu rassembler des preuves et encore des preuves et faire réaliser des expertises et ne jamais sortir la tête de l'eau. Et puis, comment prouver que ce qui a été homologué par l'État français est en réalité un piège redoutable ? Qui homologue le fait qu'une moto construite pour la compétition est habilitée à rouler sur les routes de France, d'Espagne ou d'Italie ? Homologuer, ça veut dire quoi ? Je voulais en avoir le cœur net. Était-ce Claude ? Était-ce la moto ? Était-ce le fait de ce destin dont je parle plus haut ? Était-ce l'immaturité de celui qui prête, de celui qui prend ? Était-ce une plaque d'huile sur la chaussée, une piqûre de guêpe, le soleil dans les yeux, un chat qui traverse ? Était-ce la joie, l'enthousiasme qui fait qu'on accélère trop fort ? Était-ce l'angoisse du déménagement ? Vous savez comme il est nécessaire d'attribuer la faute, même si c'est à soi. Je suis retournée sur les lieux, j'ai tout considéré, la trajectoire est-ouest, le pollen qui vole entre les platanes à cette saison, les deux passages protégés, l'arrêt de bus, l'emplacement des poubelles, les places de stationnement, le croisement avec la rue Jacquier, les portails des demeures bourgeoises qui longent le boulevard des Belges, les noms sur les boîtes aux lettres, à la recherche d'un signe. J'imagine la moto qui sort des ateliers Honda à Osaka en cette année 1998. Le transport en camion, route, autoroute, corniche au-dessus du port, puis l'embarquement sur un cargo. Formalité de douane, 11 jours de traversée, mer et océan houleux, équipage, canal de Suez, Méditerranée, océan Atlantique, arrivée dans le port du Havre. Déchargement, grue, docker, mouette, piquet de grève levé in extremis, stockage dans les entrepôts avant l'autorisation d'importer, tamponner les bordereaux de livraison, levée douanière, chargement sur un camion de marque Renault Truck, chauffeur routier qui aime ça, livrer des motos. Il est lui-même motard, c'est un Polonais, c'est l'Europe. Homologation, entrepôt Honda en banlieue parisienne, un véhicule commandé par mon frère, livraison à l'automne 1998 chez un concessionnaire de Lyon, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai,
dans le garage de mon frère, c'est loin, inexistant, inoffensif. Puis soudain, stocké chez moi, chez nous, dans le garage de la nouvelle maison, dans laquelle nous devons emménager le samedi 26 juin 1999, ça entre par la porte, intrusion. Continuons notre traversée de différentes manières d'appréhender la question du danger, avec tout d'abord Stéphane Friou, qui est historien, qui est maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2, spécialiste d'histoire contemporaine environnementale, d'histoire urbaine contemporaine environnementale, qui a publié de nombreux textes sur ces questions, et notamment un livre qui est présent ici, « Une France en transition », Horizons, risques environnementaux et horizons écologiques dans le second XXe siècle, et qui est par ailleurs adjoint au maire de Villeurbanne, délégué à la culture, aux universités et à la vie étudiante. Et puis ensuite, nous demanderons à Laurence Loutre-Barbier de se livrer à l'exercice. Elle est éditrice, artiste, auteure, photographe, conteuse, mais aussi depuis 2016, responsable de pompes funèbres et qui a créé une maison de pompes funèbres Noir Clair à Lyon en 2018 avec une approche très originale de la cérémonie funèbre. Donc Stéphane, puis Laurence, et ensuite nous continuerons un peu. Pour préparer mon intervention, finalement, j'ai lu le livre de Brigitte Giraud, sans savoir que je lui succéderais. Elle décrit l'environnement lyonnais, et notamment, page 30, l'air saturé de sulfure d'hydrogène rejeté par la raffinerie de Fezzan. Et page 170, cette pollution des eaux du Rhône qui charriait un inquiétant cocktail de nitrates, métaux lourds et autres pesticides, que nous résumions par cette dénomination nouvelle, le PCB ou pyralène, qui faisait alors la une du progrès. Dans son ouvrage, elle évoque la vallée de la chimie. Comme moi, je suis arrivé à Lyon en voyant le panache de l'usine d'incinération des ordures de Lyon-Gerland, de mes fenêtres, dans mon quotidien. Elle pose la question de la mort isolée, fortuite, qu'on nomme accidentelle, rangée à la rubrique des faits divers, face à celles collectives et plus respectables qui appartiennent aux grands mouvements historiques. En effet, glisser sur une peau de banane n'a pas le même sens que mourir sous les bombes ou les assauts d'une dictature, je cite. Alors, l'historien que je suis s'est dit que sur des phénomènes comme les guerres, les dictatures, on attendait le regard de l'enquêteur. Et ça m'offre la possibilité de faire part de quelques réflexions sur la relation entre l'histoire, l'historien, et le danger ou le risque. Alors je gagne un peu du temps puisque le premier orateur de la soirée est revenu sur l'histoire de ces notions. Il me semble aussi que finalement nous sommes dans une époque où, qui est très différente de celle où s'inventait le risque maritime, dans l'assurance maritime, où, qui était une époque où on ne vivait pas vieux, où un enfant sur deux mourait avant d'avoir 18 ans. On a pu écrire qu'il fallait deux enfants pour faire un homme au XVIIIe siècle, et où l'on croyait en Dieu. Pour différencier les deux, on a vu que le risque apparaît comme un phénomène plus maîtrisable par des calculs de probabilité, des zonages spatiaux. Il y a des plans de prévention des risques technologiques suite à l'explosion d'AZF en 2001 à Toulouse. Il y eut des zones de protection spéciales pour les émissions de dioxyde de soufre dans les années 1960 à Paris. On ne sait pas si elles protégeaient, mais en tout cas, elles étaient là pour montrer qu'on agissait. Alors l'implication qui en découle finalement est simple, c'est que quand il n'y a rien à calculer ni à dénombrer,
on peut sans sourciller nier l'existence de tout danger. Mais gérer un risque, c'est aussi définir le risque comme la représentation d'un danger donné, non encore matérialisé, qui pourrait survenir et qui est déjà survenu auparavant. Et à ce moment-là, l'appréhension du danger est potentiellement dépendante de ce qu'on appelle familièrement les leçons de l'histoire, les leçons de l'expérience. Peut-on tirer les leçons d'un accident, d'une catastrophe, pour éviter ensuite la réalisation d'un nouveau risque? Alors cela fait écho avec une phrase de l'introduction d'un ouvrage célèbre parmi la communauté des historiennes et historiens, c'est l'ouvrage de Marc Bloch, « Apologie pour l'histoire ou métier d'historien ». Chaque fois que nos tristes sociétés, en perpétuelle crise de croissance, se prennent à douter d'elles-mêmes, on les voit se demander si elles ont eu raison d'interroger leur passé ou si elles l'ont bien interrogé. C'est ce qu'il écrivait, cet historien résistant, en faisant référence aux années 1930 et à la défaite du printemps 1940. En matière de leçons de l'expérience, si l'on revient à nos usines, à la pollution, aux risques technologiques, on sait qu'il y a eu des liens entre la catastrophe de Seveso en Italie en 1976 et la directive éponyme de la communauté européenne, ou entre l'accident industriel de l'usine AZF que j'ai mentionné et la loi sur les risques technologiques votée en 2003. Cela nous amène donc au XXIe siècle et dans cette période que nous savons désormais, que nous nommons Anthropocène. Et dans les 3 minutes restantes, laissez-moi parler finalement de ce danger, de ce risque à l'Anthropocène en évoquant la pollution de l'air. Alors finalement, ce qui est apparu avec l'industrialisation, la machine à vapeur, l'utilisation du charbon, c'est une sorte de Janus bifrance, cette industrie qui était promesse de progrès, mais également menace et nuisance. Le symbole de la cheminée qui fume a changé de sens au cours du 19e siècle. Comme disait une chanson populaire à Glasgow à la fin du 19e siècle, « There's coal underground, there's coal in the air, there's coal in folks' face, there's coal everywhere, but there's money in Glasgow. » Mais les usines ont toujours pu être contestées, comme le montrent les plaintes à leur égard qui sont recueillies en France depuis le début du 19e siècle. On a beaucoup de documents depuis 1810. Et à la fin du 19e siècle, on a pu essayer de penser, de maîtriser cette nuisance, ce risque potentiel que faisaient planer les brouillards, les célèbres brouillards de Londres, auxquels on commençait à associer de la mortalité, des statistiques de mortalité. Et je vous montre ici, finalement, un graphique étonnant que je n'ai jamais pu décrypter, qui se trouve aux archives de la ville de Villeurbanne, juste à côté d'ici. Il y a des numéros, il y a des épaisseurs de fumée. Il s'agit sans doute d'un document qui reproduit l'échelle de Ringelmann, un illustre inconnu, me direz-vous, un professeur d'agronomie français qui inventa une échelle qui fut reprise dans tout le monde industriel au tournant du XXe siècle pour essayer de mesurer les fumées noires, épaisses et prolongées et essayer de réglementer ces usines qu'on appelait en France dangereuses, incommodes et insalubres. En moins de 2 minutes, finissons ce tour d'horizon historique par finalement ce qui a succédé à nos fumées, c'est la peur du nucléaire, la peur également de la bombe P, avec le néo-malthusianisme qui succède à la Deuxième Guerre mondiale. Et au XXIe siècle, peut-être l'âge climatique, une nouvelle menace bien précise. L'Anthropocène sera-t-il aussi un nouveau régime de la peur, avec cette menace du réchauffement qui tend à occuper le premier plan et à reléguer peut-être d'autres problèmes, les usines du quotidien et les produits de grande consommation que nous consommons au quotidien. D'ici là, peut-être souhaitons que les études sur l'urbain anthropocène se développent et que nos sociétés agissent pour freiner l'émission redoutable des gaz à effet de serre, car le danger, n'est-ce pas aussi la procrastination ?
Tac. Au milieu de la route, dans le flot intense de la circulation, un chat. Terrifié, il adhère au sol, hypnotisé. Oreilles tendues, yeux grands ouverts, béance outrancière. Puis soudain, plus de chat, rien. Rire. Jean-Pierre a mal aux dents. Contre le mur de la cathédrale, il cale le bris d'un miroir. Se campe devant, interrompt le souffle, ouvre grand la bouche. Et avec son briquet, tire la dent pourrie, déchire sa gencive, arrache partie du rhizome à sa chair vivante. Le briquet hurle dans sa main, sang ouvert. Il perd sa bouche dans la séquelle du miroir. Le feu dans son crâne creuse un cratère. Autour de ses yeux, grand ouvert, une étoile carmin. En résumé, plus les autres complications que vous pouvez faire dues à une grosse chirurgie comme la phlébite, l'embolie pulmonaire, le problème cardiaque, etc. Le risque de décès de cette opération, il est d'environ 3% partout dans le monde où on fait cette opération. Ça fait quand même 97% de chances que ça réussisse. Voilà pour répondre à votre question. Voilà. Mais ce n'est pas quand même une chirurgie banale comme un ongle incarné ou une petite appendicite. Hein. Et je suis toujours content quand il y a quelqu'un qui vient avec le patient parce que je veux que les gens aient entendu ça. Parce que souvent, les patients, ils ne disent pas la vérité à l'entourage. Et puis après, quand ça se passe mal, on a la famille qui arrive et qui nous dit, bah, dites-nous, il nous avait dit qu'il venait pour une petite opération. Et puis ça se passe mal, voilà. Donc, il faut que tout le monde soit au courant. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? La vie est une étoile au diapason de l'univers. L'infini bat la mesure de la création en émotion. Parmi les milliards de galaxies de l'univers, il est une galaxie spirale et sa vrille, avec un soleil jaune parmi des centaines de milliards d'autres étoiles et aussi la Terre, planète bleue sur laquelle vivent des milliards d'êtres vivants. Nous, êtres humains, en costume de clown, on jongle avec les étoiles, on danse comme des funambules. On nage dans le yaourt comme dans un rêve dont on ne revient jamais. Parfois, on rencontre un ange clochard, sans chaussures ni chaussettes, qui marche dans le sens inverse et dit qu'au bout de son pays, il y a le paradis, sa terre natale, et que l'univers n'a pas de sens, et lui non plus. Lui, c'est Jean-Pierre. Son esprit est infini, spatial, hors corps. Et rien n'arrête un esprit sorti d'un corps. La nuit, couché sur le parvis de la cathédrale, né à fleur de flaque, Jean-Pierre rit, les yeux dans l'infini. Au pied d'un mur à pognon, assis sur un carton, Jean-Pierre fume des cigarettes, mange des pommes et des gâteaux secs, mendie, demande l'argent beaucoup pour en avoir un peu, accepte le pain, donne le pain aux pigeons. Flotte sur un tapis emplumé et pommelé. Regarde un chien dans les yeux. Il n'est pas seul. Il lit l'avenir de l'humanité dans les étoiles. S'adresse au divin des terriens et à l'ailleurs miraculeux. En équilibre, par terre, il a quitté le monde et il est au-dessus. Il est ici, comme ça. Il est comme lui. Il ne peut rien dire de plus. Il a des copains, des copines, témoins de Jéhovah, assistantes sociales, médecins du monde. Il a jeté ce qui le pétrifie sous une couverture de survie. La nuit, couché sur le parvis de la cathédrale, né à fleur de flaque, Jean-Pierre rit, les yeux dans l'infini. Prophète de la cité, Jean-Pierre fréquente les oiseaux du quartier. Il faut s'aider les uns des autres. Cette bulle n'est pas parfaite. Le chaos, l'euro, la crise, les pots qui se crevassent et les portefeuilles qui se boursouflent, les guerres et le dos rond du terrorisme, les virus, les surdoses, les fauves trop gras et les peuples asservis, les politiciens corrompus, les trafiquants, les milliardaires avares, les racistes, tout ce qui pollue les eaux, le sol, le ciel, tous les dangers qui tuent le monde mais pas les rêves des sages ni des fous. Mais son corps n'oublie pas la sensation.
La nuit, couché sur le parvis de la cathédrale, né à fleur de flaque, Jean-Pierre rit les yeux dans l'infini. Jean-Pierre est fatigué, repli de l'énergie d'éveil. La douceur d'être en vie aujourd'hui donne l'envie de demain. Alors, médecin. Le médecin dit que son corps est hors norme et le précipice à portée de main, que sa vie est en danger et qu'il faut sans tarder opérer, qu'il y a 3% de risque de mourir et 97% de guérir. Le danger est limité, mais son esprit, soudain chaotique, morceau de carotte dans une soupe en ébullition, bascule dans l'inconnu. Si l'esprit sort du corps, qu'est-ce qui peut sortir de l'esprit ? Allongé sur un chariot, sa vie sous un drap d'hôpital, Jean-Pierre rit, les yeux dans l'infini. Jean-Pierre est nu, pour la première fois sous des projecteurs, avec le médecin qui voit ce corps poétique de la clandestinité qui a pénétré la société secrète des blessures. Le médecin qui lit sa peau, papyrus érotique de la marge, de la rue, de l'invisibilité. Le médecin qui voit ses dents qui manquent. Le médecin, étoile humaine, qui a investi beaucoup d'espoir dans la vie. 97% de chances que ça réussisse. Mais sait-il qu'il a affaire à un grand voyageur cosmique et métaphysique ? Un mage ? Un voyant ? Un secret qu'on ne mesure pas ? Laissera-t-il entrer les oiseaux dans le bloc opératoire ? Verra-t-il la zone sensible au niveau du flanc ? Soufflera-t-il du froid pour apaiser pendant que sa main opère ? Le médecin, étoile humaine, ouvre le corps, s'échine pendant très 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 longtemps pour en sortir la misère. Puis il le suture. Opération terminée, attente d'un phénomène angélique. Jean-Pierre, enfermé dans sa valise en peau de lune, murmure. C'est mon premier et dernier passage sur Terre, vu les sacrifices à faire pour satisfaire les terriens. Jean-Pierre allume sa pipe à rêve avec l'orage, ajuste son costume de feu, visualise la sphère galactique et se lance le 22 avril 2021, 48 heures après son admission à l'hôpital, dans la turpitude d'un voyage perpétuel. Statue de particule, il entre dans la mort. C'est la Saint Parfait. Sincère cratère. En résumé, plus les autres complications que vous pouvez faire dues à une grosse chirurgie comme la fémite, le colite pulmonaire, le problème cardiaque, etc. Le risque de décès de cette opération, il est d'environ 3%. Ça fait quand même 97% de chances que ça réussisse. Mais... Où ça ? La nuit. C'est rien. Juste une couleur noire, dilatée et moelleuse. Bordée de vide. Un appel à l'abandon. À se laisser aller. Aller à tomber. Où ça ? Au-delà de la mer de la sérénité. Au-delà encore de la nébuleuse du sac de charbon. Au-delà du temps, où l'avenir vient nous voir parfois. Où ça ? Dans un vide insoupçonné. Dans une nuit où on voyage sans passeport. Où ça ? Une multitude d'immensités plus loin. Où les immortels sont libres de mourir pour l'éternité. Alors, vous venez ? Vous venez ? Où ça ? La nuit.
la nuit. La nuit est aux couleurs de l'âme, comme l'espoir et la révolution. La nuit est aux couleurs de l'âme, comme l'espoir et la révolution. Plus que jamais, il nous faut militer pour le droit au territoire du rêve, à la libre errance, à la non-conformité, et aussi il nous faut rire. Parce que le rire est un bouclier invincible et qu'il appartient à la tradition des insoumis. Il y avait le rire donc de Jean-Pierre Verdier, la voix du chirurgien qui l'a opéré et la musique, grand merci à lui, de Gérard Torres. Merci. Deux dernières interventions avant la dernière intervention musicale ensuite de François. Hélène Colong, tout d'abord, qui a travaillé au Pérou, notamment pour des projets de développement dans les communautés indigènes de la vallée de l'Alto Mayo, où elle a rencontré Albertina Nanchijam Tuwits, dirigeante Avajoun, avec laquelle il tisse une longue amitié, de laquelle naîtront le livre Uniamine, Mémoire d'une femme Jivaro, publié en 2022 chez Actes Sud. Et elle a créé avec son mari une association, Icama Pérou, pour la conservation de la faune sauvage et la lutte contre le trafic, notamment de cette faune sauvage. Et ensuite, nous accueillerons en vidéo Omar Sharifi, qui est artiste, président d'une structure qui s'appelle Art Lords. Il est désormais aux États-Unis, je crois. Il a créé cette structure en Afghanistan pour en particulier développer des actions de peinture populaire et participative sur les blocs de béton qui entourent les ambassades dans les zones qui étaient à l'époque les zones internationales. Et il a fui l'Afghanistan l'année dernière avec l'arrivée des talibans qui menaçaient directement sa famille. Donc Hélène, c'est à vous. Bonsoir. Alors, il y a quelques jours, je parlais ici des communautés autochtones d'Amazonie péruvienne, où j'ai travaillé pendant longtemps. Et je rappelais que dans les 10 dernières années, 2000 dirigeants de ces communautés autochtones ont été assassinés lors de la défense de leur territoire. Donc, face à ces gens qui sont allés jusqu'au bout du danger, j'estime qu'une certaine modestie, pour parler de ma propre expérience, est tout à fait nécessaire. Notre expérience est donc liée à la conservation de la faune sauvage au Pérou. Et il y a 30 ans, avec mon mari Carlos,
nous sommes installés en Amazonie péruvienne, alors que la société péruvienne sortait tout juste d'une époque de terrorisme, donc de Sentier Lumineux, du MRTA, qui était donc l'organisation Tupac Amaru d'obédience castriste. Et il y avait donc dans toute la société, sans parler du narcotrafic qui était présent dans toute l'Amazonie, donc il y avait une société qui était dans laquelle il y avait une peur généralisée, une suspicion de tous envers tous, et un manque de confiance les uns dans les autres. Et cette atmosphère-là, même si elle s'est atténuée, elle est quand même restée, assez présente. Donc, on était face à un cercle vicieux. C'était l'injustice qui avait créé cette violence. Cette violence, elle créait de la peur, et cette peur continuait à créer de la violence. Donc, on avait vraiment le sentiment d'être dépassé par tout ça. En même temps, on n'était pas venu faire du tourisme. Hein. On savait pourquoi on était là. Et on avait en particulier vu l'impact que cette perte de biodiversité, que tous ces trafics avaient causé dans les communautés. Et c'est pourquoi nous avons créé une réserve, à la fois pour protéger la faune existante et pour lutter contre le trafic, avec l'aide des communautés indigènes. Donc, il est évident que dans ces situations-là, on se sent très vulnérable, puisqu'on est dans des zones où il y a un grand isolement. Et donc, il a fallu créer un réseau d'informants de manière à ne pas être directement exposé par rapport à tout ce qui concernait les trafiquants, en particulier de bois et de faune, bien sûr. Alors, dans ces cas-là, on considère le danger comme un passage obligé. L'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif qu'il y a. Donc, à cette époque-là, en tout cas, il y avait des attaques à main armée sur les routes, quasiment chaque jour. On prenait un bateau, il y avait une chance sur deux pour qu'il y ait également une attaque à main armée. On s'était opposé à une série de pratiques de prostitution dans lesquelles il y avait des mineurs. On a retrouvé la façade de notre maison qui était criblée de balles. Donc finalement, on avait fini par considérer le danger comme une espèce de catastrophe naturelle dont le Pérou n'est pas avare. Et l'idée, c'était vraiment de passer au travers pour aller de l'autre côté. Et pour un Français, cette expérience du danger, elle est salutaire. Parce que c'est vrai qu'on est facilement porté à protester, à s'indigner, à critiquer, à râler, sans trop de risques, malgré tout. Et au Pérou, on réfléchit avant de parler, on contrôle ses émotions, ses réactions. On apprend que l'arrogance est certainement la dernière manière d'entrer en contact avec les autres. Et du fait qu'on ne peut pas affronter directement les trafiquants, on ne peut pas affronter directement les fonctionnaires corrompus, etc., eh bien, on apprend à accepter de perdre, on apprend à accepter de parfois devoir reculer et même de se la boucler. Donc, ça nous est arrivé en particulier alors qu'on nous avait attribué une concession forestière de 21 000 hectares. Donc, on avait beaucoup de soutien en Europe. On avait un espoir immense de pouvoir protéger une zone aussi vaste. Simplement, il faut avoir l'accord des communautés qui se trouvent autour. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à recevoir des menaces de mort, puisque, en réalité, cette zone-là était déjà occupée par des trafiquants de bois. Et le bois, l'acajou, le cèdre, etc., ça représente un argent considérable, et donc on allait venir perturber ce trafic-là. Donc on nous a dit, mais non, on vous connaît, vous êtes des trafiquants de bois. Et d'ailleurs, si vous venez par là, vous savez que vous ne vivrez pas vieux. Donc effectivement, ça a été une des premières déceptions qu'on a pu avoir, de devoir renoncer face à quelque chose qui manifestement menaçait notre vie. Donc ce qui nous a resté à faire, ça a été essentiellement de tisser des alliances avec les populations locales, mais aussi avec certains ministères, en particulier les ministères de l'environnement, dans lesquels on a trouvé
des femmes, surtout des femmes, qui ont prêté une oreille attentive à ce qui était la défense de la faune, qui n'était vraiment pas une priorité, y compris dans le ministère de l'Environnement. Certains policiers, étonnamment, certains policiers qui nous ont épaulés dans les cas de confiscation, qui sont toujours très, très délicats. Et donc, ce sont ces populations locales qui, finalement, nous ont protégés d'un autre danger, qui, à mon sens, est peut-être le plus important, qui est la tentation de l'abandon, le découragement. Donc, cette solidarité qui s'est manifestée par rapport à nous, parce que nous aussi, on leur avait manifesté de la solidarité, eh bien, c'est ce qui nous a protégés donc, de tout cela. Et donc, à l'heure actuelle, où cette violence revient au Pérou, pour des raisons très similaires, c'est-à-dire que les injustices n'ont pas été corrigées, donc la violence continue de s'installer, eh bien, face à ça, on pense que finalement, le fait de créer des liens et de la solidarité, c'est sans doute la seule manière de faire face à tous les dangers qui nous menacent. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, salam alaikum. My name is Omid Sharifi. I am from Kabul, Afghanistan. I'm asked to speak about something that I have lived and worked with all my life. I have lived and worked in danger since I was born. I was born in 1986. It was in the middle of the Soviet invasion of Afghanistan. When I was born, all the Russian soldiers were everywhere in my country. And the Mujahideen, or the rebels, were fighting them in every street, in every school, in every city of my country. I grew up in the middle of this war. And when the Soviet Union withdrew from Afghanistan, I witnessed the civil war, which broke out between the groups of the rebels, which were fighting the Soviet Union. It was brutal. I remember times that we had to move from one home to another shelter. And one time my dad counted those shelters, it was 35 shelters that we had to move to be safe from all those rockets that were coming to and heading Kabul city. We remember one time there was over 500 rockets that hit Kabul city. It's a very small city. Kabul is a very small capital. And we would have dozens of rockets, hundreds of rockets, bombs coming and explosions happening in the city. And I would witness that because when I was 12 years old, I started working on the streets of Kabul. I was selling cookies, I was selling cigarettes. I was trying to support my dad, my family, because my dad got shot when the Soviet Union was in Afghanistan in 1988. So somehow, while being a kid, I was trying to help the family, my mom, my dad. Although I'm not sure I was earning a lot of money, but I was trying to help. And growing up, when the Taliban took over in 1996, I was still there in Kabul, on the streets of Kabul, when the rebels, the Mujahideen left and the Taliban came. And I remember going to the football stadium to watch a football game and then people would be beheaded. Or the fear that you might be harassed, you might be killed, you might be imprisoned was always there. And post 9/11, when the American invasion of Afghanistan happened, we had a moment of calm, a moment of hope that things might change. We can study, we can have the freedom of expression, we can vote, we can elect our rightful leaders. And that hope, that period of hope,
also did not last for long. In 2007 and 8, we already were in another war with the terrorists, with Al-Qaeda, with the Taliban, where there was explosions every single day. So in the last couple of years, my life has been that I was never, ever sure if I'm getting out of the house in the morning. I was not sure I'm coming back alive. I would always somehow look at my family members, say proper goodbyes, because there could have been a bomb in my car, an explosion might happen, and I happened to be on that road, or somebody would kidnap you or just target you. So this was the life that I have lived all my life. It's traumatic, it's chaotic, it is full of anxiety, but at the same time, it never stopped me and the people like myself in Afghanistan. It never stopped us to do our job, to do our responsibility, to work. And I think in the middle of such kind of dangers and darkness, you're pushed to be more creative. You're pushed to be more in finding solutions that could work for those situations. In order to avoid those kind of dangers, I was changing my cars, I was changing my routes, I was trying to find ways like art lords to really find solutions for our own problems in Afghanistan. And I think despite those dark times, those dangerous times, until I was forced to leave my country in 2021 when the Taliban took over, I think every single day of my life was filled with danger. But it, at the same time, it gave me a lot of confidence and happiness that I'm doing something for my people. I'm trying to be part of the solution. I'm trying to heal this country. I'm trying to be kind to the people that have not seen kindness for a very long time. End of the day, it's not an easy life. It's a lot of anxiety, a lot of depression, a lot of trauma, but I do not want it any other way. I'm glad I lived that life and contributed positively to my community. Thank you.
Merci François Mardi-Rossian. Peut-être François, dire un mot des morceaux que vous avez présentés rapidement, les morceaux que vous avez joués. Je ne sais plus trop ce que j'ai joué, mais ok. Alors le premier, c'était ce fameux morceau qui était censé mettre en son l'atmosphère d'une usine de textile. Tout à fait, c'est l'œuvre d'un grand compositeur qui a malheureusement disparu il y a 2 ans à peu près, Frédéric Jebski. Pour les Bruxellois, ils le connaissent forcément. Et c'est une pièce qui s'appelle Winsboro Cotton Mill Blues, qui a été composée dans les années 70 et qui est censée un peu retranscrire le vacarme, le brouhaha des machines à tisser le coton. Et hier, je ne sais pas si vous étiez là, mais durant la table ronde, on avait un tisserand et on a trouvé plein de points communs pendant la conversation. Et je me suis dit, pourquoi pas jouer cette pièce pour débuter. Donc vous avez entendu le vacarme avec mes bras, mes poings, pour créer cette espèce de machine motorique avec au milieu un blues qui apparaît mais qui se fait couvrir de plus en plus par cette machine. Donc j'ai débuté par ça, je crois. Oui. Et ensuite j'ai joué. Il y a eu pour... Saint-Saëns. Il y a Laurent de Sutter avant. Laurent de Sutter, enfin, oui. Et j'ai joué des pièces on a un petit peu échangé avant. Des Musica Callada, un cycle un magnifique cycle d'un compositeur catalan, Federico Bompou. Il a une très belle musique et j'étais content d'accompagner son texte avec ses morceaux. Je regarde un peu ce que je jouais. J'ai joué aussi un air de Samson et Dalila, effectivement, de Camille Saint-Saëns. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de jouer ça pour vous, parce que un peu pour prendre le contre-pied du thème de la soirée, qui est le danger, c'était quand même pas la soirée où on sort avec un optimisme et une joie de vivre. Ouais, ça se termine mal, hein, quand même. Hein. Ça se termine mal, mais en tout cas, la musique est très belle et très lyrique. Et j'avais envie de lyrisme, parce que j'aime bien le lyrisme. Donc voilà. Et ensuite, sur la lecture de Brigitte Giraud, j'ai commencé par une pièce de Sébastien Gandera, un compositeur pas très connu, mais qu'on aime beaucoup à Lyon, avec Camille, dans un festival que je co-dirige. Et j'ai bifurqué petit à petit sur l'adagio du concerto en sol de Maurice Ravel. Je ne sais pas si vous avez reconnu, j'ai un petit peu improvisé autour. Et j'ai après vogué entre un thème de la troisième symphonie de Brahms. J'ai cité aussi du Brian Eno avec By This River.
J'ai joué aussi du Satie. Vous avez reconnu l'hymne à l'amour aussi de Edith Piaf. C'était pour un peu donner un peu d'amour. Après, j'ai improvisé et j'ai surtout fini, je crois, là, mes accompagnements par un début du Köln Concert de Qui j'arrête. Donc, ce fameux morceau qui commence comme ça. Que tout le monde a un petit peu en tête parce que c'est un des plus beaux disques de jazz. Et voilà, et je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop tabassé le piano pendant que les gens lisaient. C'était parfait, mais le vacarme de l'atelier textile était parfaitement bien rendu. Hein. Ok, c'est parfait. Merci. Voilà, merci, merci François. Comme vous avez pu le constater, le parti pris de ces soirées à contrainte, c'est de ne pas essayer de lisser la prise de parole, d'homogénéiser les points de vue, mais d'assumer au contraire la diversité des paroles et des points de vue, parce que ce pluralisme, cette pluralité, cette volonté aussi de laisser libre cours à toutes les formes de pensée et d'expression fait partie véritablement du programme École Urbaine de Lyon et au cœur de cette semaine de festival. Et il n'y a pas de morale à cette soirée ni à cette histoire. Nous voulons vous laisser repartir avec tout ce que vous avez entendu et que ça puisse venir croiser d'autres choses que vous avez pu entendre au début de la semaine ou que vous entendrez, puisque je ne doute pas que vous reviendrez d'ici samedi avec demain une formidable soirée consacrée à la célèbre image de la Terre prise de l'espace, Blue Marble, et samedi encore tout un programme extraordinaire. Mais je voudrais surtout que nous remercions, et je vous demande de les applaudir, Laurent de Sutter, Géraldine Koziak, Bernard Alaouachiche, Brigitte Giraud, Stéphane Friou, Laurence Loutre-Barbier, Hélène Colong et Omald Sharifi. Merci beaucoup à tous et toutes. Bonne soirée. La librairie est ouverte et à demain. Merci.